Qu'est devenue Sabine Dardenne, une adolescente de 13 ans qui a disparu le 28 mai dernier vers 7h30 le matin, alors qu'elle rejoignit à vélo son collège de Quin. Les recherches effectuées n'ont rien donné, les pompiers ont même sondé l'Esco entre Quin et Pec, sans succès. C'est donc la thèse de l'enlèvement qui a été retenue. Le 18 juillet dernier, la police judiciaire de Tournai a diffusé le portrait robot d'un homme d'une trentaine d'années, type européen, cheveux châtains montrant un front légèrement dégarni. Près de 25 000 affiches ont été apposées dans des lieux publics de Belgique et du nord de la France. Alors bien sûr, des coups de téléphone parviennent aux enquêteurs. Sabine a été vue en Belgique, en Espagne, dans la région lilloise, dans les Bouches-du-Rhône. Aucune piste sérieuse. La gendarmerie de Tournai reste donc elle aussi dans l'expectative. Même le VTT de couleur verte de Sabine n'a pu être retrouvé, ce qui laisse penser à un enlèvement organisé. Une affaire qu'on ne peut s'empêcher de rapprocher des disparitions de Julie et Mélissa, 9 ans aujourd'hui, qui se sont évanouies en plein après-midi le samedi 24 juin 1995 dans leur quartier à hauteur de Grasse-Ologne, près de Liège. Ce jour-là, elles devaient se promener pendant une demi-heure et rentrer chez elles vers 17h30. On ne les reverra jamais. En Belgique, l'association Marc et Corinne s'est constituée autour des familles d'enfants disparus. 30 bénévoles assurent une permanence téléphonique. Cette association a déjà reçu dans d'autres affaires des témoignages importants et même, une fois, le nom d'un ravisseur. Mais pour Julie, Mélissa et Sabine, les espoirs s'amenuisent. Bonsoir. Les terribles aveux de Marc Dutroux en Belgique, inculpé d'enlèvement et de séquestration d'enfants. Il a avoué ce soir être l'auteur de plusieurs meurtres d'enfants. Ainsi, la gendarmerie a pu découvrir à son domicile 3 cadavres. Pierre Didier. 3 cadavres ont été retrouvés en début de soirée dans la maison de Sars-la-Buissière. La gendarmerie fouillait les lieux depuis hier soir. 2 des dépouilles semblent correspondre à 2 fillettes disparues l'été dernier. Le troisième cadavre serait celui d'un complice que Marc Dutroux aurait supprimé. Dans un climat pesant, tournant au climat de lynchage, Marc Dutroux est revenu cet après-midi à Sars-la-Buissière pour indiquer aux enquêteurs l'emplacement des corps. La Belgique découvre l'horreur d'une affaire qui ne cesse de rebondir depuis que l'on a retrouvé jeudi, vivantes, Laetitia et Sabine, 2 adolescentes séquestrées par Dutroux dans une autre de ses maisons. 4 autres personnes, dont l'épouse de Dutroux, sont entendues dans le cadre de l'affaire. Et l'on reparle de ces 6 autres fillettes ou adolescentes disparues en Belgique depuis 1989. On est par exemple sans nouvelles d'Anne et Effieux depuis l'été dernier. À proximité du lieu de leur disparition, les enquêteurs avaient relevé des empreintes de pneus comparables à celles de la CX de Dutroux. Du matériel pornographique retrouvé au domicile du présumé meurtrier lancerait même la piste d'un réseau international de pédophilie. Le procureur de Liège en personne a annoncé ce soir aux parents la mort des 2 fillettes retrouvées à Sars-la-Buissière. Réaction d'un des pères, cette affichette apposée sur sa porte qui interpelle un ministre de la Justice. Dutroux avait été condamné en 1986 pour attentat à la pudeur. La Belgique est sous le choc après les aveux de Marc Dutroux et de ses complices. Les corps de 2 fillettes de 8 ans ont été retrouvés hier soir dans le jardin d'une de ses maisons près de Charleroi. Il a également avoué l'enlèvement l'été dernier de 2 adolescentes que l'on espère encore vivantes. Mais les enquêteurs belges poursuivent leurs recherches et leurs fouilles. Bertrand Koch. Cet après-midi, les pelleteuses de la gendarmerie sont à nouveau entrées en action et la Belgique retient son souffle. Ces nouvelles recherches se déroulent au sud de Charleroi dans une villa propriété d'un ami de Marc Dutroux. Elles font suite aux tout derniers aveux du pédophile, à savoir l'enlèvement l'été dernier à Ostende de 2 jeunes filles, Anne et Effieux. Depuis mardi dernier et l'arrestation de cet homme de 39 ans, de sa femme et de son complice le Lièvre, les Belges sont passés du soulagement à l'horreur absolue. Dans un premier temps, Dutour reconnaît détenir 2 adolescentes, Sabine et Laetitia, chez lui, dans une cache qu'il révèle aux policiers. Les fillettes sont vivantes et immédiatement rendues à leur famille. Toutes les 2 ont été abusées sexuellement. Laetitia, la plus grande, dont l'enlèvement le 9 août dernier avait déclenché l'enquête policière et abouti à l'arrestation de Dutroux, n'a passé que 6 jours derrière ses murs. Mais Sabine, la plus petite, y était séquestrée depuis 2 mois et demi. Elle savait plus ce qu'elle faisait. Elle dit que je vais éclater, je ne sais plus ce que je fais. Je ne reverrai jamais ma famille et tout ça. Enfin, je lui disais si, moi, mais des fois, je n'y pensais pas non plus.
Mais Dutroux a fait pire. Interrogé sans relâche, l'homme craque une deuxième fois. Il mène les enquêteurs dans son jardin. Et là, sous 3 mètres de terre, les policiers vont trouver 3 corps. Les restes de Julie et Mélissa, 2 petites filles de 8 ans, disparues depuis juin 1995. Le troisième cadavre est celui d'un homme, un complice, que Dutroux avoue avoir tué et qu'il accuse de la mort des fillettes. Julie et Mélissa seraient mortes de faim, oubliées dans une cave, tandis qu'il était en prison. Il faut savoir que le 6 décembre 1995, Dutroux a été arrêté à la suite d'une affaire de règlement de compte avec d'autres complices dans une histoire de vol qualifié. À ce moment-là, Dutroux aurait chargé le lièvre de s'occuper des gamines. Quand il est sorti de prison, le lièvre ne s'en était pas occupé. Les gamines étaient mourantes. Et voilà. Ce soir, au terme de 3 jours d'insoutenables révélations, la Belgique réclame justice. L'homme montré du doigt, c'est l'ancien ministre de la Justice, justement. Aux yeux de l'opinion publique, il est responsable d'avoir autorisé la libération conditionnelle du violeur Marc Dutroux en 1992. Au funérarium, un interminable défilé. Toute la Belgique est venue encore aujourd'hui se recueillir devant les cercueils de Julie et Mélissa avant l'enterrement prévu pour jeudi prochain. Et à 10h, dans tout le pays, les sirènes ont retenti, les pompiers voulant eux aussi afficher au grand jour leur tristesse et leur colère. À Neuchâteau, où l'enquête vient d'être centralisée, le dossier est maintenant entre les mains d'un seul homme, le procureur Michel Bourlet. Parmi les inculpés, Jean-Michel Nihoul intéresse beaucoup le procureur. Son mandat d'arrêt est prolongé d'un mois, il reste donc en prison. Connu de la justice, il a été le patron d'un club échangiste et pourrait être l'homme fort du réseau de prostitution. Le point de vue de M. Nihoul est toujours le même, à savoir qu'il clame haut et fort son innocence. Je vous laisse donc imaginer dans ces conditions ce que c'est quand on se dit innocent d'être traîné dans la boue du haut au nord de la Belgique. Pour ce genre de chef d'inculpation, on n'est pas dans un dossier de vol de voiture ou de choses de ce genre. C'est quelque chose d'odieux, ce sont des faits gravissimes. Donc lorsqu'on clame son innocence, eh bien, ça devient très vite un enfer. Dans ce Pulse, Marc Dutroux et son complice Michel Lelièvre auraient été les hommes de main de Jean-Michel Nihoul, chargés de kidnapper les adolescentes et de les cacher dans ses nombreuses maisons, aménageant les caves en prison. Hier, la police a arrêté un autre suspect hollandais. Caspar Filler, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, a fait de la prison avec Michel Lelièvre. Il est ce soir relâché, faute de preuves. Dans l'après-midi, le ministre de la Justice belge est venu à Neuchâteau pour rencontrer le procureur. À sa sortie, il se refusera à faire le point sur l'enquête. J'ai pas de commentaires à donner, c'est pas à moi de donner des commentaires sur l'enquête. On a eu une réunion de travail, on a réglé quelques histoires de matériel personnel et tout ça. On a parlé des avancements. On continue. Le ministre est ce soir chez les parents d'Anne Marshall, disparue en août 1995 avec son ami, après avoir été enlevée par Marc Dutroux. La justice garde toujours espoir de les retrouver vivantes. Selon certains journaux belges, elles pourraient être quelque part en République tchèque, dans un réseau de prostitution. La Belgique est l'hommage rendu à Julie et Mélissa, l'hommage de toute une nation pour 2 de ses enfants martyrisés. Aux obsèques à Liège ce matin, Mathieu Huchet et Maryse Richard. Un interminable défilé. Des camions, des corbillards, tous remplis de fleurs, précèdent les 2 cercueils et les voitures des parents de Mélissa et de Julie. Parti du funérarium, le long cortège prend la route de Liège, s'immobilisant un instant devant les maisons des familles. La basilique est encore loin et déjà la foule est là, amassée le long des routes, immobile. Main dans la main et sous les applaudissements d'un public qui affiche son soutien, les 2 familles pénètrent dans la nef. Pour les accueillir, un prêtre ouvrier, depuis longtemps, il partage leurs souffrances et leur colère. Et toutes les prières, où sont-elles allées? Et toutes les bougies qu'on a fait brûler, ça a servi à quoi?
les réunions de prière, les pèlerinages. Est-ce que le bon Dieu est sourd? Non, ce n'est pas blasphème que de crier ainsi. Le blasphème résiderait plutôt dans l'hypocrisie ou dans de pieuses déclarations qui voudraient étouffer les pourquoi que notre cœur révolté nous pousse à poser. Des pourquoi, des comment. Voilà 14 mois que les parents en mal d'explication dénoncent les errements d'une justice impuissante. Et si aujourd'hui, eux restent silencieux, leurs proches sont leurs porte-parole. L'acharnement des parents était fondé, respectable et exemplaire. Alors que les parents avaient contre eux la culpabilisation, la médisance, la suspicion, les rumeurs, les lettres obscènes, le non-soutien judiciaire. Tous ensemble aujourd'hui, disons plus jamais ça, pour qu'à nouveau demain, tous nos enfants sourient et renaîtront toujours Julie et Mélissa. Mais peu à peu, la polémique s'efface, reste l'émotion. Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. À chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur. Les autres télégrammes d'actualité, en commençant par une révélation qui risque d'affaiblir une justice belge déjà très controversée. La mère de Marc Dutroux avait en effet tenté de prévenir les autorités il y a un peu plus d'un an. La lettre dans laquelle elle dénonçait les agissements de son fils a été, semble-t-il, classée sans suite. Carole Gessler, William Irigoyen. Une lettre accusatrice. Dès 1995, la mère du pédophile Marc Dutroux dénonçait les activités de son fils. Dans une lettre adressée à la justice belge, elle évoquait notamment des plaintes des voisins de son fils. Ceux-ci se plaignent de nombreux va-et-vient nocturnes concernant le trafic de pneus et maintenant de carcasses de voitures, mais aussi du passage de deux jeunes filles entre 16 et 18 ans. Cette lettre avait été adressée avant septembre 1995 au parquet de Charleroi, mais avait été classée sans suite par le procureur. Nous étions à une autre époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons très clairement qui est M. Dutroux. Nous étions à une autre époque. J'assume cette responsabilité, mais je dis tout de suite que nous ne l'avons pas fait parce que toutes les informations de gendarmerie que nous avons eues étaient négatives. Dans le même temps, c'est une 12e personne qui a été arrêtée aujourd'hui dans l'affaire du réseau pédophile. Il s'agit de la compagne d'un complice de Marc Dutroux. Quand la colère d'un pays s'exprime dans le plus grand calme, à Bruxelles aujourd'hui, l'incroyable mobilisation de la population en mémoire des enfants victimes du réseau Dutroux a constitué un véritable défi à la classe politique. Le Premier ministre ne s'y est d'ailleurs pas trompé en annonçant une révision de la Constitution. Joël-François Dumont. Une marche blanche qui s'est vite transformée en une véritable marée humaine, comme on n'en avait pas vu à Bruxelles depuis la Libération. Aujourd'hui, le peuple belge était dans la rue. Unis dans une même émotion, plusieurs centaines de milliers de personnes arborant des fleurs blanches ou tenant des ballons blancs ont défilé sur les grands boulevards. Un peuple digne et solidaire venu réclamer haut et fort un renouveau des institutions. On s'est attaqué à des enfants et alors bon, ici, aujourd'hui, on a des fleurs blanches et des ballons blancs pour symboliser justement la pureté et l'innocence bafouée en Belgique. Est-ce que vous attendez un changement particulier après cette marche? Je l'espère qu'après cette manifestation aussi, quand même, ça va faire bouger quelque chose. Actuellement, il y a une très forte différence entre ce que pense le public et ce que nos dirigeants pensent. Et je suis là pour leur rappeler qu'il faut un peu regarder dans le public. Pour les parents, ce témoignage extraordinaire était ressenti comme un encouragement pour qu'ils poursuivent leur combat jusqu'au bout. Un message également compris par toute la classe politique belge. Le Premier ministre, Jean-Luc Dehaene, ne s'y est pas trompé en recevant les parents et les frères et sœurs des victimes dans la salle du Conseil des ministres. Il leur a annoncé son intention de procéder rapidement à une révision de la Constitution du Royaume. Toutes les mamans, tous les papas du monde éprouvent ce sentiment d'émerveillement, de fierté, d'amour pour leurs enfants. Et nous tous les adultes, nous avons le devoir de les considérer en tant que tels. Je vous remercie beaucoup. Ik bedank iedereen.
sur l'épisode de cet après-midi, la cavale de quelques heures de Marc Dutroux. Agnès Varamian. C'est d'ici que Marc Dutroux s'est échappé de ce petit palais de justice de Neuchâtel. De sa fuite, les témoins n'ont entendu que des cris. Il était 15 heures, j'étais dans le café et j'ai entendu crier. Donc ça devait être les gendarmes et tout le personnel du tribunal. Et on a été voir et on a vu qu'il poursuivait quelqu'un, mais on n'a pas vu la personne. Comme vendredi dernier, jour où ces images ont été filmées, Marc Dutroux venait aujourd'hui consulter son dossier. Comme tous les détenus belges, il en a le droit avant chaque comparution en chambre du conseil. À ce moment-là, il est seul, sans menottes et avec un unique gendarme qu'il bouscule et plaque au sol. Puis, Marc Dutroux s'empare de l'arme du fonctionnaire qui, on l'apprendra plus tard, n'était pas chargée. Une fois à l'extérieur, Marc Dutroux braque alors un automobiliste. Ah, moi, je cours après lui. Du coup, après lui, ben, je vois le gendarme qui criait « Attrapez-le, attrapez-le ». Je vois Dutroux, ben, du coup, après lui, j'essaye de l'attraper. Une fois que j'ai arrivé à l'attraper, il a sorti les pistolets. Interrogé par la presse, les autorités judiciaires ne feront aucun commentaire. Le procureur de Neuchâtel semblait, lui, consterné. On fera les commentaires après, une fois qu'on aura toutes les informations. Je m'excuse, mais... Pendant ce temps-là, Marc Dutroux, lui, roule vers le Luxembourg. Il parcourra une dizaine de kilomètres jusqu'à Saint-Médard avant d'être repris. Dans sa course, il est à bord d'une Mégane grise qu'il ne quittera pas. Partout en Belgique, sur la frontière française et luxembourgeoise, des barrages sont mis en place. Les gendarmes, les douanes des trois pays sont mobilisés. Cette fuite, l'avocat de Marc Dutroux tente de l'expliquer. À mon humble avis, Marc Dutroux a dû improviser cette décision en l'espace de quelques secondes. Car le système de surveillance, on peut le décrier et on peut à nouveau basculer dans tous les sarcasmes. Mais enfin, je voudrais dire que ces hommes de terrain, je l'ai expérimenté moi-même à quelques reprises, que sont les trois gendarmes qui l'accompagnaient habituellement, faisaient tout de même leur travail de façon assez serrée. 3 heures, l'évasion de celui que toute la Belgique considère comme l'ennemi public numéro 1 n'aura pas duré plus longtemps et à 7 heures, les barrages ont été levés. Connard, salaud ! Les insultes collent à la peau de Marc Dutroux. À 46 ans, il a le triste privilège d'être l'homme le plus haï de la Belgique, un criminel, violeur et tueur. Anne et Effieux avaient 17 et 19 ans. Julie et Mélissa, 8 ans. Des adolescentes, des enfants victimes, Dutroux est très vite étiqueté pédophile. Mais selon les experts psychiatres, ce n'est pas son profil. C'est un cas psychiatrique, mais quand même un cas hors norme. Je pense que vraiment, en tout cas, la virulence ou la violence de ce symptôme. Donc, c'est, je pense très clairement, un pervers sadique. Ce n'est pas du tout un pédophile. Mais en gros, c'est quelqu'un qui érotise la haine. Donc, qui place sa recherche de jouissance dans un rapport à l'autre, d'emprise, de violence, de fascination. Selon les psychiatres qui l'ont examiné, Marc Dutroux rejette sa jeunesse. Il grandit à Aubais, près de Charleroi. Fils d'un couple d'instituteurs, aîné de 5 enfants, l'homme noircit avec beaucoup de violence le personnage de sa mère. À 16 ans, il plie bagage. Quelqu'un qui a dû se battre très jeune, seul. Mais je répète, ce n'est pas pour ça que j'excuse ces actes. Mais ça explique certains comportements, certains mécanismes de défense peut-être. Aujourd'hui divorcée, sa mère est toujours installée dans le village. Elle et son fils se détestent depuis longtemps, bien avant le début de l'affaire. Madame Lowen, oui. Vous êtes en contact encore avec votre fils ou pas? Non. Non, pas du tout. Depuis combien? Des années. Pourquoi, madame? Parce que nous n'avons pas le même caractère, ni la même façon de voir les choses, c'est tout. Et c'est fini, plus de contact, vous ne voulez plus rentrer en contact avec votre fils? Vous aimeriez bien, madame, d'avoir un fils comme ça? Je vous laisse. Un fils condamné une première fois en 86 à 13 ans de prison pour des enlèvements, des séquestrations et des viols de 5 jeunes filles, dont des mineurs. Malgré l'avis défavorable du procureur général, Marc Dutroux ne purge que la moitié de sa peine. Libre, le ferrailleur vit d'allocation, de trafic en tout genre. En prison, il s'est marié avec Michel Martin, déjà complice de ses premiers crimes. Père de 2 enfants, il en aura 3 autres avec elle. Pas de suivi thérapeutique, Dutroux récidive, enlève, viole et cette fois élimine ses victimes. Mais à aucun moment, il ne semble éprouver de remords. Lui, il a trouvé sa solution. Donc, il a trouvé la réponse à sa question existentielle. Il connaît son mode de jouissance. Il s'y adonne envers et contre tout. Pourquoi est-ce qu'il arrêterait? Devant les experts, Marc Dutroux insiste sur son courage, sa philanthropie à l'égard des plus faibles. Le criminel n'est pas fou,
Il est responsable de ses actes. Le procès de Marc Dutroux, tant attendu par la Belgique, s'est donc ouvert ce matin dans la petite ville d'Arlon, au sud-est du pays. Celui qu'on surnomme le monstre de Charleroi risque l'emprisonnement à vie pour le meurtre de 4 fillettes et l'enlèvement de 2 autres. Il se retrouve aujourd'hui face à ses juges, aux côtés de 3 personnes soupçonnées d'être ses complices. Et tout à l'heure, l'homme le plus haï de Belgique s'est assoupi en pleine audience. Dominique Verdeillan, José Boulestex. Des dizaines de flashs reflètent sur la vitre du box blindé. Ils sont là tous les 4, ceux que la Belgique attend de juger depuis 8 ans. Mais Marc Dutroux soigne son image, il ne veut pas être filmé. Pour nous, il ne sera donc qu'une silhouette, une ombre. À ses côtés, son épouse, Michel Martin. Son complice de toujours, souriant, Michel Lelièvre. Et Michel Nioux, l'homme qui dans le box incarne la thèse du réseau. Bouleversé, prêt à tout revivre, les parents d'Anne et des Fieux, les deux dernières victimes à avoir été découvertes mortes en septembre 1996. Et le face-à-face est insupportable, car dans le box, Marc Dutroux est avachi, la tête entre les bras. Le président de la cour d'assises le rappelle à l'ordre, Dutroux fait mine de se redresser. Mais pour la mère d'Anne, l'attitude de l'accusé est insultante. Je ne crois pas que c'est une place pour dormir. Hein. Si on veut dormir, il faut aller dans son lit. Oui, et ça m'énerve. Peut-être parce qu'il a mal dormi cette nuit, rongé par le remords. C'est une hypothèse à laquelle je ne crois pas. Ou bien, plus simplement, il a voulu montrer le mépris qu'il avait pour la justice en général et ses victimes en particulier. À la reprise de l'audience, Marc Dutroux semble carrément s'être endormi, ce qui trouble nullement cette fois la cour. Et Marc Dutroux n'est pas à une provocation près. Lors du très bref interrogatoire de personnalité, il a été le seul à ne pas se lever pour décliner son identité. C'est donc l'une des images du jour depuis le début de son procès. Marc Dutroux refusait de montrer son visage à la presse. Le pédophile a une nouvelle fois pris la cour d'assises à contre-pied en revenant sur sa position. Autre enseignement de cette journée, la thèse du réseau a été battue en brèche. Sur place, Dominique Verdaillan, José Boulestex. Entendre et être vu. D'un simple geste, Marc Dutroux fait comprendre que dans le box, il n'entend pas les débats. Au cinquième jour, l'accusé fait tomber le masque. Il accepte d'être filmé, mais c'est sous la pression des médias, s'offusque-t-il. Et nous pouvons être... Depuis 1996, j'ai été vendu sur la place publique sans mon autorisation. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'opposer à cela, donc j'ai fait avec. Aujourd'hui, je cède de nouveau à la pression pour que la sérénité des débats soit assurée. Mais ce sont d'autres images que les jurés ne vont pas quitter des yeux. Celles de la cache de la maison de Dutroux. Sur grand écran, des photos sont projetées. Marc Dutroux avait peint les murs en jaune pour égayer. C'était un piège difficilement détectable, reconnaît le juge d'instruction Jacques Langlois. Salué par les uns, critiqué par les autres, le juge cherche d'abord à défendre son travail. « J'affirme de manière ferme et définitive, dit-il, que je n'ai subi aucune pression de la gendarmerie, du pouvoir judiciaire, du pouvoir politique. » Il n'y a pas de raison d'État dans cette affaire. Une mise au point qui divise les avocats du dossier. Oui, bon d'accord, c'est son opinion. Hein. C'est son opinion. Ben non, on va. Nous, on est venu exactement pour démontrer qu'il y a telle et telle chose dans le dossier. Ben, on verra bien. C'est une semaine clé, je pense, pour le procès. Je pense que les gens vont comprendre exactement ce qui s'est passé pendant ces temps. Et nul autre que lui n'est mieux placé pour le faire. Le juge Langlois ne cache pas son intime conviction. Le personnage central de l'affaire, dit-il, c'est Marc Dutroux. Durant 5 ans et demi, le magistrat insiste. Toutes les pistes ont été exploitées, tous les témoignages ont été étudiés. Durant 5 jours, le juge Langlois va donc tenter non seulement de convaincre 12 jurés, mais aussi une opinion publique perplexe. Je vous le disais dans les titres, nouveau temps fort dans le procès Dutroux. Un mois après son ouverture devant les assises d'Arlon, ce matin, le gendarme Michaud a été appelé à la barre. Il avait perquisitionné la maison Dutroux alors même que Julie et Mélissa s'y trouvaient. Le gendarme avait ce jour-là entendu des voix d'enfants. Son témoignage devant la commission parlementaire avait révélé aux Belges les dysfonctionnements entre gendarmerie et justice. Hervé Ardouin, Romuald Rath. Il a symbolisé la faillite du système policier belge. Ce matin, le gendarme Michaud se voulait confiant, impatient, presque revanchard. Ben, je crois que c'était ce que j'attendais depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'au moins ici, j'aurais affaire à des professionnels. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Contrairement à ce qui s'est passé à la commission d'enquête parlementaire. 24 juin 1995, Julie et Mélissa disparaissent à Grasse-Ologne. Très vite, l'enquête piétine, mais au même moment, à Charleroi, les gendarmes décident d'ouvrir une enquête parallèle. Nom de code, Otello, un suspect, Marc Dutroux.
Tout se fera désormais dans le plus grand secret, y compris 3 perquisitions à Marcinelle. À l'époque, Julie et Mélissa sont séquestrées au sous-sol. Ça laisse pantois, surtout quand on sait qu'il doit inspecter une maison qui est un capharnaüm et qu'il n'a même pas une lampe de poche. Ce matin, à la barre, le gendarme Michaud a confirmé avoir entendu des chuchotements d'enfants lors d'une de ses perquisitions. Mais ces chuchotis, comme il dit, venaient de l'extérieur. Quant à la cache, il a la conscience tranquille, elle était selon lui indécelable. C'est d'autant plus perturbant que s'il a Julie et Mélissa en tête, elles ne vont pas se trouver dans un tiroir d'un meuble. Hein. Donc c'est d'autant plus qu'il trouve un spéculum aussi. Mais bon, vous savez, qui a un spéculum chez soi? Moi, je ne sais pas. C'est quand même, il y a des éléments qui sont perturbants et il insiste et persiste à dire que si ça devait être commencé, ben qu'il passera encore à côté. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y a pas mis quelqu'un d'autre alors, puisqu'il ne trouve rien, lui? Lors de sa déposition, le gendarme Michaud a également évoqué des confidences d'anciens détenus. Selon lui, Julie et Mélissa auraient été enterrées par Marc Dutroux et un complice fin novembre 1995, soit 15 jours avant sa première perquisition. Une version qui soulage peut-être sa conscience, mais à laquelle personne ne semble croire aujourd'hui. Dans l'entrebâillement d'une porte, Sabine, 20 ans et demi. 8 semaines de procès, 8 ans après les faits, le face-à-face impossible va enfin avoir lieu. Aujourd'hui, c'est dur, dit-elle, mais il fallait que je sois là. Il ne va pas s'en sortir comme ça, poursuit la jeune fille. C'est impossible. Alors sans haine, avec retenue, Sabine évoque le double visage de Dutroux. Le protecteur d'abord, il m'a dit qu'il voulait me protéger d'un méchant chef. J'étais assez folle pour le croire. Le bourreau ensuite, avec une voix d'enfant, elle aborde avec pudeur l'horreur. J'étais la petite boniche, sa cendrillon, sa femme. Quand j'avais fait plaisir à monsieur, je pouvais regarder la télévision. Dans la cage, dit-elle, je m'ennuyais. Alors un jour, Dutroux est arrivé avec Laetitia. « Voici l'ami que tu voulais », m'a-t-il simplement dit. À l'audience, l'atmosphère est suffocante. La mère de Laetitia, puis le père d'Anne Marshall sont pris de malaise. Tous deux sont évacués en ambulance. Sabine, elle, s'est libérée. Reste le poids de l'innommable. Elle aura jusqu'à son dernier souffle le corps et l'odeur de Dutroux sur le cœur. Mais je crois qu'effectivement, elle a quand même été ôtée d'un poids et qu'elle a pu dire tout ce qu'elle avait à dire. Pour la première fois, Marc Dutroux fait profil bas. « Je reconnais mes torts », dit-il. Ses avocats lui avaient déconseillé de demander pardon. « C'est trop tard, on ne le croira pas. Donc je crois qu'il est mieux qu'il ne dise rien plutôt que de demander pardon. » Dans ce procès fleuve, ce face-à-face tant attendu n'a duré que 50 minutes. Libérateur pour Sabine, dévastateur pour Dutroux. Depuis le début de son procès, l'accusé tente d'entretenir la thèse du réseau. Ce soir, il ne reste plus que la parole d'une victime. Son bourreau n'avait qu'un seul visage, celui d'un prédateur isolé. Une nouvelle journée éprouvante au procès Dutroux en Belgique, journée consacrée encore aux deux seules victimes survivantes du pédophile. Laetitia Delay a pris la suite de Sabine Dardenne avec des échanges parfois vifs à l'audience sur place. Yasmina Farber, Mathieu Birden. Agrippée à la main de Sébastien, son petit ami, Laetitia Delay affiche une décontraction de façade avant de témoigner. J'ai peur, mais je dirai ce que j'ai à dire et voilà. L'épreuve aura duré 45 minutes. À la sortie, son ami l'embrasse, elle n'a pas flanché. À la barre, la jeune femme raconte son réveil enchaîné à un lit. Les viols de Marc Dutroux. Il me demandait si ça faisait mal, ça le faisait rire. Dans la maison, elle rencontre Sabine, il l'appelait Fifi. 8 ans après leur séjour dans la cave, les deux jeunes femmes se retrouvent devant la cour d'assises, solidaires. Mais Marc Dutroux veut avoir le dernier mot. Je leur fais mes plus plates excuses. Sabine s'emporte. Pour être vulgaire, il peut crever avec. Laetitia est assez d'accord. Mais lui, il peut aller se faire voir aussi. Hein. Le tort, de toute façon, il est trop tard. Le mal est fait. Hein. Il ne peut pas revenir en arrière. Hein. Il y a quand même 4 filles qui sont décédées. Et je n'oublierai jamais. Hein. Les parents des victimes sont venus écouter ces témoignages comme un devoir de mémoire. Je regarde Laetitia, je regarde Sabine. J'ai l'impression que c'est ma petite fille qui est là. Les deux rescapés ont les nerfs solides. Surtout quand Marc Dutroux explique que Sabine lui sciait les côtes pour avoir de la compagnie. Il enchaîne. Je ne voulais pas que le réseau la tue. Après un certain temps, on finit par s'attacher. Provocation, excuse, même sa défense vacille. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alors lui, il parle et moi je lui dis de se taire. Si Marc Dutroux reste l'homme le plus haï de la Belgique, Laetitia et Sabine sont bien des héroïnes, comme des saintes qui bénissent des enfants. Un signe amical pour montrer qu'elles sont détendues. Mais Sabine et Laetitia
Les deux seules victimes vivantes de Marc Dutroux savent que c'est la journée de toutes les pressions. Le pédophile et ses complices, Michel Martin et Michel Lelièvre, sont arrivés quelques minutes plus tôt à Marcinelle. Marc Dutroux, lui, s'est dit victime d'un malaise et a exigé un examen médical avant de descendre dans la cache pour être mis face à ses responsabilités. Il était juste, il était bon que Dutroux soit confronté à sa machinerie. Et il était juste et il était bon que nous allions là dans un esprit de pénitence et de respect à l'égard de celles qui en ont souffert. Mais cette visite est surtout une épreuve. Descendre dans la cave de Marcinelle, c'est revivre l'insoutenable. Il y a les marques au mur, le système de fermeture, les lits superposés dans la chambre de Marc Dutroux, la même où les fillettes étaient enchaînées. Pour Sabine et Laetitia, tout ressurgit du passé. Merde ! On ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi, d'aussi odieux. Hein. C'est tout. C'est mortuaire, c'est un endroit qui va nous poursuivre tous et qui a poursuivi Sabine, elle l'ont dit, et Laetitia dans leur cauchemar. Ce sont les jurés qui avaient demandé cette visite. Marc Dutroux, lui, n'en voulait pas. Nihoul s'est fait excuser pour raison de santé et les parties civiles s'y sont soumises. C'est une visite très, très nécessaire, certainement à mon avis pour les jurés. C'est très important de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants. Et donc, c'est très important. Ce soir, Laetitia Livide a quitté le palais de justice dans un silence que personne n'a osé déranger. En Belgique, c'est la fin d'un marathon judiciaire. Comme prévu, comme l'avait demandé l'accusation, Marc Dutroux a été condamné à la perpétuité, la plus sévère des peines en droit belge. Satisfaction des victimes et des familles des victimes. Plus réservée en revanche sur les peines prononcées contre les complices du pédophile. Yasmina Farber, Mathieu Birden, José Boulestex. Condamne Marc Dutroux à la réclusion à perpétuité. Un verdict sans surprise pour un Marc Dutroux, impassible, la prison à vie. Un verdict assorti d'un commentaire du président de la cour d'assises. Je crois que vous vous en sortez quand même mieux que la plupart de vos victimes qui ne font plus partie du monde des vivants. Ma fille Anne qui est morte, oui, en mémoire, elle a été là tous les jours et je crois qu'elle peut être très, très fière. Merci. Des nerfs qui lâchent après avoir attendu ce verdict si longtemps. Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, est condamné à 30 ans de prison, aucune circonstance atténuante. Michel Lelièvre, l'homme de main toxicomane, écope de 25 ans. Clémence Delacour, en revanche, pour Michel Nihoul, 5 ans de prison pour trafic de drogue. Laetitia Delay était convaincue de l'implication de Nihoul dans son enlèvement. C'est une déception. Je ne suis pas assez contente de ce qui a été dit pour Nihoul. Mais ma foi, bon, ouais, on accepte quand même ce que le jury a dit. Quoi, hein. Ce verdict du procès du siècle, des anonymes l'auraient voulu plus sévère. Je m'excuse, mais je trouve ça dégueulasse. Des mots qui tranchent avec la dignité de Sabine Dardenne, l'une des deux survivantes, ou la résignation de parents pourtant insatisfaits par des réponses judiciaires. Après demain, il y aura 9 ans que les petites ont été enlevées. Et à l'heure actuelle, ben, c'est toujours la même chose. Ça lasse certainement, mais on ne sait toujours pas qui les a enlevées. Pour clore ce procès fleuve, le président a tenu à remercier tous les acteurs et surtout les jurés. La Belgique peut être fière de vous, a-t-il dit. Une Belgique qui veut désormais tourner la page de l'affaire Dutroux, sans renier pour autant un devoir de mémoire pour les victimes.